Bonsoir tout le monde. Pour faire suite à l'émission de JE, on vous pose comme question, est-ce que l'industrie de la pornographie va trop loin? C'est une question large qui nous permettra de réfléchir à où on en est rendu comme société à cet égard. On va en discuter avec Julie Miville Deschaine, qui est sénatrice indépendante, qui parraine un projet de loi qui limiterait l'accès des jeunes au matériel sexuellement explicite sur Internet. Mario Larrivé, côté sexologue clinicien. Alice Irving, créatrice de contenu érotique sur Internet depuis 6 ans. Et militante pour les droits des travailleuses du sexe, et Nicolas Lafleur, propriétaire de Pégase Productions, un des plus importants producteurs de films pornographiques au Québec. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir, Denis. Alors, je vais commencer avec Madame la sénatrice, parce que vous parrainez un projet de loi. C'est que vous trouvez qu'on va trop loin, là. On va trop loin à quel niveau? Bien, c'est-à-dire que depuis qu'il y a beaucoup de pornographie en ligne sur Internet et en particulier des sites gratuits, les enfants vont sur Internet et vont visionner ces sites. Or, dans notre société, on a quand même un consensus à l'effet que la pornographie est réservée dans la vraie vie aux 18 ans et plus, que ce soit des sex shops, des films 3X et tout. Mais sur Internet, un enfant fait clic, quel que soit son âge, et a accès à tout ce matériel. Or, ce matériel, vous le savez, ce n'est pas l'érotisme d'il y a quelques décennies. Ce sont des scènes très crues, souvent dégradantes, parfois violentes pour les femmes, où les femmes sont dans des positions d'infériorité. Donc, tout cela a un effet sur les enfants et les jeunes, effet documenté. Et donc, on considère qu'il faut que les sites pornographiques vérifient l'âge des enfants, ce qui n'est pas très compliqué. Est-ce que ça a changé beaucoup, M. Lafleur? Ça fait longtemps que vous êtes là-dedans, là, et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est devenu une espèce de jungle. Il y a tellement de sites, il y a tellement de toutes sortes de dimensions. Est-ce qu'il y a des limites maintenant sur Internet en rapport avec la pornographie? C'est vrai qu'à part les lois, comme nous, on est régi sur les lois canadiennes là, qui régissent bon, la base de ce qu'on fait. Puis évidemment, bien, chaque studio a ses propres valeurs puis sa propre vision de la chose. Mais c'est vrai qu'Internet étant mondial, ça devient comme facile d'accéder à n'importe quel type de contenu. Puis ça passe un petit peu en dessous de la juridiction canadienne là, quand c'est du contenu, surtout de l'extérieur, effectivement. Et quand vous le faites, vous, au Québec, vous avez des balises, c'est vos balises à vous, c'est votre morale à vous. Qu'est-ce qui fait que vous allez tourner certaines scènes puis pas d'autres? Bien, à la base, Mme Miville Deschaine parlait tantôt de contenu violent sexuellement ou dégradant, humiliant. Bon, tout ça, c'est déjà prévu là, dans les lois canadiennes. Donc, même si on voulait le faire, on ne pourrait pas le faire et le diffuser parce que c'est illégal au Canada. Nous, toutes nos productions sont réglementées et sont approuvées aussi par la Régie du cinéma. Tout notre contenu passe là et est visionné et approuvé là, par la Régie du cinéma. Le reste, bien là, c'est une question de valeur. Nous, on aime bien montrer le beau côté, si on veut, de la porno, le côté qui est plaisant. On veut que ce soit plaisant à regarder de la porno, mais on veut que ce soit plaisant à faire aussi par tous les participants, autant les artistes que la régie technique, toute la chaîne, si on veut. Là. Mario, il y en a quand même qui dépassent des bornes. Là. Je veux dire, là, M. Lafleur parle comme s'il n'y avait rien. Il y a des gens qui sont traumatisés à regarder ce qui se passe sur Internet. Mario? Ah, ben en fait, c'est ça, Denis, ça dépend du contenu que la personne va regarder, puis ça dépend surtout de son âge. Quand c'est du contenu pour adultes consommé par des personnes adultes, je pense qu'il n'y a pas de problème. Comme disait M. Lafleur tantôt, bien, c'est censé être un contenu justement pour divertir, pour s'amuser, pour le plaisir, puis ça va. Le problème arrive généralement quand, justement, comme disait Mme Miville Deschaine tantôt, c'est quand ce sont des jeunes enfants ou des préadolescents qui se mettent à regarder ce contenu-là d'un simple clic, qui n'ont jamais vu même un petit gars ou une petite fille encore nue, puis ils se retrouvent avec des images sexuellement très, très explicites, puis ils ne sont pas rendus là dans leur développement psychosexuel. Ça fait en sorte qu'ils ne savent pas quoi faire avec ce contenu-là, puis c'est des images beaucoup trop crues pour l'âge que ces enfants-là, malheureusement, ont. Là. Alors, aller s'en créer du contenu pornographique sur Internet, est-ce que ça peut traumatiser les jeunes? Si je peux me permettre de répondre à ta question, Denis, puis si je peux me permettre de parler au nom des travailleurs et travailleuses du sexe, la majorité pourrait s'entendre pour dire qu'on est en faveur d'une réglementation plus sévère concernant les sites pornographiques.
Toutefois, ce n'est pas tous les sites qui sont gérés de la manière MindGeek. Il y a beaucoup de sites qui sont éthiques. Je pourrais en nommer quelques-uns, dont Manyvids, OnlyFans, Fansly. Puis ces sites-là, en fait, sont très réglementés, comme M. Lafleur l'avait mentionné plus tôt. Il y a énormément de règles à respecter, que ce soit du côté du processus d'application que le processus de publication. Au niveau de l'application, on doit fournir des pièces d'identité, on doit fournir des documents légaux pour valider notre identité, on doit remplir des contrats. Puis, du côté publication, une fois qu'on est approuvé, il y a des modérateurs de contenu qui vérifient chaque contenu un par un. Puis, si par exemple une personne ne respecte pas les règles, la personne va recevoir un avertissement, puis une sanction si par exemple la personne ne respecte pas l'avertissement en question. Donc c'est très réglementé. Il y a beaucoup de mots qui sont censurés, qu'on ne peut pas utiliser, qui, je pense, permettent une prévention de la pornographie juvénile, du trafic humain et autres. Et pourtant, Julie, dans le reportage des GIO, on parlait du fait qu'il y avait effectivement de la porno juvénile. C'est des jeunes qui n'ont pas 18 ans, il y en a pas mal. Puis il y en a qui vont filmer, c'est le cas de Pornhub, qui vont filmer leur blonde. Et quand ils se séparent puis ils sont fâchés après elle, ils mettent ça sur Internet. Donc, c'est pas tout rose. Là. Non, et on ne peut pas tout mettre dans le même panier. Il y a de la pornographie payante et il y a aussi les plateformes gratuites. Et je crois que c'est dans ces grandes plateformes gratuites qui ont pris un modèle de YouTube, c'est-à-dire que c'est des simples citoyens qui téléchargeaient des partous, des relations sexuelles. Alors, c'est là que les dérives arrivent. C'est là qu'il peut y avoir une vidéo sans le consentement d'une femme, par exemple, c'est là aussi qu'il y a des vidéos d'exploitation sexuelle. Et le problème, c'est que des plateformes comme Pornhub n'ont pas eu assez de modérateurs pendant des années pour aller voir ce matériel et ne l'enlevaient même pas assez rapidement quand il y avait des plaintes. Alors, il y a vraiment eu une exagération quand vous dites « Est-ce que les sites porno ont été trop loin? » Certainement, ces grandes plateformes, que ce soit Xvideo, Xhamster, Pornhub, il y en a beaucoup à travers le monde. Écoutez, il y a une cinquantaine de très gros sites gratuits, mais qui font beaucoup d'argent avec la publicité. Donc, M. Lafleur, vous avez l'expérience. Vous dites, OK, moi, mes films, là, je fais attention, mais vous reconnaissez, là, Julie vient de le dire, ça explose sur Internet. Je veux dire, peu importe ce qu'on a comme fantasme, on peut trouver ça, je suppose, assez facilement, là. Bien, effectivement, comme tout processus, c'est rare que le processus est parfait dès sa mise en... Mais il a l'air particulièrement imparfait. C'est... Parce que vous me dites, c'est comme si ça allait bien, sauf qu'il y a des exceptions. Ma perception, c'est le contraire, en tout cas, après avoir vu GIA, en plus, c'est que l'essentiel est tout croche, puis il y en a quelques-uns qui sont pas pires. Bien, vous avez raison que quand arrivent des événements qui sont irréguliers, si on veut, c'est très malheureux. Puis même s'ils sont pas... il y en a pas énormément, bien... Ces événements-là prennent une importance, mais quand on relativise, puis moi, je ne suis pas là pour les défendre, mais on parle de millions puis de millions de vidéos et tout le processus de, comme Mme Méville-Lachaine le disait tantôt, de screening, si on veut, de vérification, puis tout ça, il y a eu des lacunes, certainement. Oui, et il y en a encore. Il y en a encore. Vous savez, quand normalement, quand il y a cinq personnes qui sont dans une relation sexuelle, il faudrait qu'on puisse vérifier le consentement de ces personnes-là. Or, sur Pornhub et ces autres plateformes, pas du tout. Il y a une personne responsable. Alors, elle peut dire à peu près n'importe quoi. Donc, vous savez, c'est sérieux, et vous le savez comme moi, la question du consentement. En 2022, il faudrait que chacune de ces personnes consente avant que ces images soient exposées. Heureusement, des événements comme ça, qui sont malheureux, font en sorte que les choses bougent. Et puis là, on voit Mastercard a mis à jour, si on veut, toutes ces conformités, ces critères de conformité, et qui sont mieux parce qu'on évolue, même les notions de consentement évoluent aussi avec le temps au niveau du public, et puis il faut s'ajuster à ça. Et maintenant, il faut que tous les gens qui téléchargent du contenu aient des comptes qui sont vérifiés. Nous, on en fait partie en tant que studio, donc nous, on est très réglementé, tout ça. Et puis tout le monde doit avoir les mêmes critères au niveau du consentement, au niveau de l'identité, au niveau de la légalité de tout ça. Et je pense que c'est... on avance, ça s'améliore. Okay. C'est peut-être pas encore parfait, mais au moins, tant qu'on a de la bonne volonté, on s'améliore. Alors, parlons de ceux, justement, qui sont devant la caméra. Alice, qui produit du contenu érotique et qui se dit féministe, en plus. Je l'ai présentée comme, depuis 6 ans, militante des droits des travailleurs du sexe.
Il y a plein de gens là, qui ont rien signé, puis on n'est même pas sûr qu'ils savent qu'ils sont filmés, puis que ça va se retrouver sur Internet. Ça n'a pas de bon sens. Je comprends que vous produisiez vous-même du contenu pornographique, mais vous comprenez que ce contenu-là n'a pas d'allure. Je suis pas certaine de comprendre votre question. Mais... Ceux qui utilisent des femmes qui n'ont pas donné leur consentement. Oui, en effet, je suis d'accord. Comme Madame le mentionnait plus tôt, il y a eu des manquements graves. Surtout avec MindGeek et ces autres plateformes-là. Sur cette forme-là, en effet, c'est pourquoi on devrait être beaucoup plus réglementé. Toutefois, il y a des sites qui sont réglementés, qui sont éthiques, qui existent. Puis je pense, comme M. Lafleur me l'a mentionné, oui, il y a du travail à faire, mais il y a du progrès, je crois, dans l'industrie. Je crois également qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis c'est facile de porter l'attention ou de porter le blâme seulement sur les compagnies pornographiques, mais je pense aussi que la pornographie, c'est un enjeu de société qui commence d'abord et avant tout avec une éducation sexuelle à la maison, avec la famille, à l'école. Et devrait avoir beaucoup plus. Mais c'est comme si les parents avaient laissé aller. Ils se disent, il y en a tellement, ils vont apprendre ça. Je ne sais pas mais comment on pense. Pas, ce n'est pas de l'éducation sexuelle. C'est clair que la pornographie, c'est tout sauf de l'éducation sexuelle. Oui. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça. Les relations sexuelles et surtout pas les premières. C'est du divertissement, mais c'est aussi une vision de la sexualité qui est un jeu, qui est altéré, qui est faussé et qui fait que les enfants, parce que c'est à 11 ans en moyenne que les enfants tombent sur de la pornographie. Ça fait que les enfants peuvent être traumatisés, peuvent avoir une vision stéréotypée des femmes, peuvent avoir toutes sortes de problèmes à cause de cela. Alice? Oui, si je peux vous continuer sur le sujet. En fait, je pense qu'il y a vraiment un tournant des compagnies pornographiques vers un tournant plus personnel que les créateurs ont contrôle sur leur propre contenu qui est derrière un mode de paiement qui est vraiment plus contrôlé. Donc, je pense qu'on s'en va vraiment vers le positif. Je crois aussi que décriminaliser le travail du sexe aiderait beaucoup les travailleurs du sexe à se sentir beaucoup plus protégés et pouvoir être en contrôle de leur propre contenu au lieu d'aller voir une compagnie puis d'avoir une pression externe de faire du contenu qu'ils ne seraient pas nécessairement à l'aise de faire. Parce qu'il y a des gens qui ont des perversions et vont aller sur Internet. Parce que, Mario, tu viens souvent nous commenter, entre autres, ceux qui ont les pédophiles là, qui sont accusés, tu viens souvent commenter ces cas-là. Et tu nous expliques qu'il y en a beaucoup qui vont s'exciter sur Internet. Donc, il y a même des sites, on le voyait dans JE, là, les sites des teens. Donc, exact. Ça veut dire qu'ils ont teen. En anglais, teen, là, ça commence à 13, 14, 15 ans. Et en principe, ils disent, elles ont toutes 18 ans, mais ils appellent ça teen, puis elles ont l'air bien jeunes. Alors, Mario, est-ce que ça n'encourage pas ceux qui ont des perversions à ce niveau-là? Bien, en fait, je dirais qu'une bonne partie, une bonne proportion de ma clientèle, Denis, c'est effectivement des jeunes adultes qui ont regardé, parce qu'ils vont regarder la catégorie teens, parce que c'est ça qu'ils vont trouver le plus excitant. Sauf que le jeune, il a 20-25 ans, catégorie teen, ça va être souvent des jeunes filles qui apparemment ont 18 ans, mais des fois, on sait que dans certains pays d'Europe de l'Est ou d'autres pays où est-ce que la réglementation n'est pas la même, bien, c'est beaucoup plus facile. Donc, on se retrouve avec des adolescentes, puis à ce moment-là, bien, ces jeunes-là se retrouvent effectivement avec des accusations criminelles en se disant « ben non, c'était légal, c'est une catégorie teen, puis j'avais le droit d'y aller ». Ouais. Mais dans la réalité, c'est pas ça. Puis là, ils commencent à s'alimenter avec ce type de pornographie-là. Puis à ce moment-là, c'est souvent des filles de 14, 15, 16 ans dans la réalité. Puis après ça, bien, compte tenu, on sait que souvent dans la pornographie, quand quelqu'un en consomme beaucoup, oui. Bien, à un moment donné, il va regarder autre chose, puis autre chose, puis autre chose, puis il va s'alimenter. Pour que ce soit de plus en plus intense. Pour garder le même niveau d'excitation sexuelle. Puis à ce moment-là, il va tomber dans de la dérape avec encore là, je dirais, des enfants encore plus jeunes. Là. Alors, Madame la sénatrice, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Je sais que vous, votre projet de loi, c'est pour les moins de 18 ans, mais quand même, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est une réalité là, qui existe. Mais la réalité, en effet, c'est que quand on commence à regarder de façon compulsive la pornographie, le risque est qu'on en veut toujours plus d'excitation et effectivement, ça peut amener à regarder des scènes d'exploitation sexuelle. Alors moi, je ne suis pas ici pour vous dire pas de pornographie, mais c'est clair que ça a été une industrie depuis le début de l'Internet qui n'a eu aucune réglementation, qui a été incapable de s'auto-réglementer et là, on arrive avec des conséquences absolument difficile. Donc, oui, réglementer, l'Allemagne l'a fait et ça marche. Ce qu'ils font, c'est que quand les sites internationaux ne vérifient pas l'âge, tout au moins, bien, ils bloquent les sites. Ah. Alors, de cette façon-là, ces sites ne font plus d'argent. Donc, si
beaucoup de pays prennent cette voie, bien, on va peut-être voir que pour survivre, ces sites vont devoir un peu vérifier ce qu'il y a à l'intérieur de leur contenu. Et c'est ce qui est arrivé avec MindGeek. Ils ont été obligés de changer leur façon de faire, d'un laisser-aller complet. Ils ont été obligés d'enlever, je pense, 80 millions de vidéos sur leur site. Ils ont été obligés de vérifier, de faire plus de vérifications à l'entrée. C'est encore vraiment loin d'être parfait, mais il faut réglementer cette industrie. Oui. Alors, voilà la pause. Si on se posera la question au retour, parce qu'on a deux producteurs de contenu, est-ce que c'est vrai qu'une fois qu'on a la main dans l'engrenage, c'est pas tout le bras qui embarque, c'est-à-dire qu'on en veut davantage et de plus en plus intense dans 3 minutes après la pause? Est-ce que l'industrie de la pornographie va trop loin? Alors, depuis tantôt, on parlait de style Pornhub, où ce sont des gens qui vont mettre sur le site leurs vidéos à eux qu'ils ont tournées. Puis on ne sait pas si les gens ont l'âge, s'ils ont donné leur consentement. Mais vous, M. Lafleur, vous produisez des films. Donc, vous payez des gens. Il y a des travailleurs du sexe comme Alice, des gens qui sont payés, qui font de l'argent à gagner leur vie comme ça. Quelle est la différence, justement? Est-ce que vous négociez avec eux, ils vont accepter de faire telle scène et pas d'autre? Comment ça se passe, là? Bien, exactement. Merci de faire la différence parce que nous, on travaille, c'est des contrats de production. Alors, c'est des artistes indépendants qui nous approchent, avec qui on discute, avec qui on fournit toute l'information, on répond à leurs questions. Il y a tout un processus. Puis nous, on fait exprès que le processus de candidature prenne un certain nombre de semaines, justement, pour pas que ça soit mûri comme réception, comme réflexion, que ce soit pas quelque chose qui soit fait à chaud. Donc, les gens ont le temps de bien réfléchir quand ils commencent, quand ils débutent dans le métier. Puis après ça, bien, il y a toute une série là, d'informations, puis de façons de faire qui sont normalisées, dans le fond, qui font qu'au niveau de la sécurité, au niveau de la transparence, au niveau des implications que ça peut avoir dans leur vie personnelle, professionnelle, parce que souvent, les gens, ils voient juste le beau côté quand ils veulent embarquer dans une aventure. Donc, c'est notre responsabilité de leur faire voir un peu l'ensemble de la situation. Alice fait du contenu. Alice, est-ce que c'est pas l'exploitation du corps de la femme? Il y a plein de gens qui disent que ça n'a pas de bon sens. Par essence même, là, la pornographie, c'est qu'on exploite le corps de la femme. Je suis totalement en désaccord. Je crois que si une personne, par exemple, qui travaille dans la construction, vend ses capacités physiques pour faire son travail, le travail du sexe est autant valide. On vend toutes nos capacités différentes, que ce soit des capacités intellectuelles, physiques, sexuelles. Puis, je pense absolument que c'est pas du tout moi. Ça a été un choix. Il y a beaucoup, beaucoup de gens que c'est un choix. Donc, non, c'est pas de l'exploitation. Au contraire, puis, si je pourrais mentionner aussi que, comme vous l'avez dit, la main dans l'engrenage, oui, on reçoit une pression constante, les travailleurs et travailleuses, d'avoir tout le temps plus, de mettre plus, de mettre plus. Donc, c'est à chaque personne de... Quand ils ont assisté à une scène, ils disent, pourrais-tu, parce que vous êtes souvent en contact direct avec eux sur Internet, dites, ah, ben va donc un petit peu plus loin. Oui. C'est ça. C'est à moi de mettre mes propres limites, de qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux pas faire, puis où est-ce que je veux aller, combien que je veux... le faire ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment un choix personnel qui varie d'une personne à une autre. Julie? Malheureusement, il y a quand même beaucoup d'exploitation dans ce milieu-là. Puis je vous dirais que l'image des femmes projetées par la prostitution, il faut quand même le dire, la presque totalité des victimes de violences dans la pornographie, ce sont des femmes. Et 40 % des femmes sont battues, sont étranglées. Donc, c'est la plupart du temps, ce sont les femmes qui sont dans ces positions de victimes. Donc, ça reproduit des stéréotypes, malheureusement, qui ne sont bons pour personne, en fait. Parce que si on imagine la sexualité comme une relation de domination, imaginez ce que ça peut donner dans la vie. Alors, justement, Mario, ceux qui vont sombrer, qui vont glisser vers la perversion, des films qui sont produits, organisés là, avec des acteurs, là, comme les films de M. Lafleur, est-ce que c'est aussi excitant pour eux que ce qui est réalisé avec un téléphone et puis on ne sait pas trop d'où ça vient. Là. C'est comme ce qui semblait se retrouver sur Pornhub. Non, désolé pour M. Lafleur, mais ma clientèle, je vous dirais, généralement, c'est pas le type de contenu qu'ils vont préférer parce que là, ici au Québec, c'est beaucoup plus réglementé. Donc, ce qu'on voit généralement dans les scènes sexuelles, c'est des scènes qu'on peut retrouver chez M. et Mme Tout-le-Monde. Mais la majorité de ma clientèle, Denis, qui sont des individus plus, je dirais, déviants, c'est ce qui va les alimenter, ça va être complètement autre chose. C'est pour ça qu'on dit quand il y a une progression, c'est un peu comme une drogue. Là, si on va trop loin, là, on perd le contrôle de sa vie. On va faire un dernier tour de table très rapidement. Je vous demande succinctement de me répondre.
Est-ce qu'on ne devrait pas serrer la vis en termes de législation et en termes d'encadrement, Julie? Bien, évidemment, moi, étant législatrice, oui. J'ai une loi que j'aimerais qu'elle passe, qui au moins obligerait ces sites à vérifier l'âge des enfants. Je crois que la réglementation est nécessaire. Je pense qu'il ne faut pas dire que la liberté d'expression va être menacée, parce qu'il faut aussi penser à la protection des enfants, à la protection des femmes et à la protection de la société. Monsieur Lafleur, ça vous dérangerait qu'on vous serre la vis un peu, là? Bien, en fait, moi, notre seule crainte dans l'industrie, c'est on est tous d'accord qu'il faut protéger les jeunes. Ce qu'on a peur, c'est que les moyens qui soient utilisés nous privent d'un achalandage qui soit légitime, des gens adultes qui veulent juste simplement consommer de la pornographie de façon très correcte et naturelle. Bien, si vous leur donnez quelque chose de moralement acceptable, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais rapidement, Alice. Oui, donc je suis en accord avec Mme Miville-Deschênes. Définitivement, il faut serrer la vis pour ces sites-là qui sont considérés « tube », qui sont considérés publics à tous, définitivement. Mario. Bien, en fait, c'est ça. Je pense que les sites payants sont plus réglementés, donc le problème se situe moins là. Je pense que c'est plus les sites qui sont gratuits, où est-ce qu'on se retrouve un peu avec n'importe quoi. Comme Pornhub, ils avaient besoin de se faire recadrer, puis Gia nous l'a montré, et ça a fait du bien. Espérons qu'on fera un ménage à cet égard-là. Merci à vous quatre d'avoir participé à cette réflexion-là. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.